plusieurs dossiers nous allons regarder après-midi. On commence avec ça, nous allons aller là, en dans police nationale d'Haïti. Qui s'est passé là? Oui, ammoniaque là, son gaz lié, oui. Son liquide, la gina baye là. Ok? Monsieur qui sous écran, monsieur qui en pile dans nous connaît, il remarque là, il y a trois images. Ou après, il y a une lettre, il y a une photo Lionel Lazare, que en pile dans nous habitué tendre. C'est monsieur qui responsable syndicat ça qui c'est Sinapoa. Gagnien Ramon Normil qui sous lit et puis gagne Pierre Espérance qui sous photo ça tout. Lionel Lazare monsieur c'est un policier me croit qui était un agent 3 mais qui pas qui récemment venu un agent 4 selon ça m'apprendre. Pendant semaine nan te gen un bruit tap kouri comme quoi Ramon Normil ta bay monsieur promotion pour vin inspecteur. Bay sa ki t'en prend réseau parlant pile mais c'est pas vrai. Au contraire, m'te démenti, m'te dit non, il pas vrai. Au contraire, c'est une premier nèg qui t'a annoncé que selon information gen gen possibilité pour monsieur vin porte-parole police là en après, porte-parole adjoint PNH là. Encore là, grand petit problème, même t'as discuté ça en zami matin. Hein? Moi-même, si m'te nan place Ramon Normil, m'pa wè nan ki sens que m'ta pral wete, on nèg ta kou Gary de Rosier nan poste là. Monsieur son confrère de la presse, etc., qui habitué avec tout média, tout journaliste. M'pense que même si monsieur peut-être si gomba ou te ka reproche li, baron qui ça? On pensait nous t'a juste traiter ça et puis quitter Gary. Puisqu'on est en mettant nèg Michel-Ange Louis Jeune qui monsieur très correct, qui très formé mais qui gain moins pratique parler dans média que Gary. Monsieur que Louis Jeune t'a toujours là et Gary Desrosiers t'a toujours été comme porte-parole adjoint police là. Mais comme on connaît les nèg chef, yo fait ça yo vle, yo décidé ça yo vle. Le moi apprendre, yo décidé pour yo mettre jeune garçon ça Lionel Lazare comme porte-parole police là. Premier samedi tête, moi dit que ben si yo bail monsieur poste ça c'est parce que Ramon Normil récompenser monsieur. Moi c'est comme ça mien. Me dit yo récompenser monsieur pour qui ça? Parce que me songe le te gen gros goumet tap fait pour formation syndicat dans police là avec SPNH 17. Le te gen question 509 fantôme qui tap factualité. Lionel Lazare c'est youn nan nèg qui te vina avec question ça Sinapoa. Mais l'objectif principal là c'était camper en face SPNH 17. Monsieur la dinoa dit tout ça, vle nou bay tout connotation vle, mais en réalité c'est ça le. Pour te capable apaiser situation hein, face à frappe Ramon Normil t'a prend à l'époque. Nèg yo vin créer deux syndicats dans police là. Ce même Pierre Espérance jodi an te même qu'on relé syndicat monsieur syndicat jaune. Donc en pile nèg dans SPNH 17 en pile nèg qui était dans même opposition à l'époque avec Jovenel Moïse yo te qualifié syndicat Sinapoa comme syndicat jaune parce que syndicat ça c'est un syndicat te créé dans l'idée pour te camper en face Yannick Joseph Abelson Gouneg et comment l'autre ami l'inspecteur lundi etc. et donc Sinapoa vient créer ça te fait. On toujours gen problème avec un série de jeunes garçons qui parfois prend pose sous yo bassesse yo petit tempérament. Parce que on pensait c'est exactement ça monsieur Pays Jodia. Donc monsieur était campé Sinapoa pour te vinn faire travail Ramon Normil à l'époque
et puis baisser feu SPNH 17. C'est dit qu'avin créé, il continue à frapper. Au contraire, pendant une bonne période de temps, c'est un coup SPNH 17 vient effacer. D'ailleurs, tu as plus persécution contre eux par rapport à Phantom 509. Tu as plusieurs là-dedans, tu arrêté. Inspecteur lundi, tu es en difficulté. Jean Elder lundi, et merci Mourou Anselme. Monsieur est en difficulté. Tu as même mis le mandat de monsieur. Presque tout membre SPNH 17 est en difficulté. Tu as mandat contre eux. Jusqu'à présent, je ne sais mandat ça a été sorti. Dont Yannick Joseph, etc. Tout en difficulté. Nous sommes Gerbelson Gounek, monsieur, pour un paquet en prison. Nous pas en pile cap défendre monsieur pour être capable de sortir. Eh bien, écoutez, si n'a pas eu lui-même, Livin, puisque lui-même, il n'a pas opposition à l'époque, eh bien, si n'a pas eu une grande dimension. Mais en réalité, c'est seulement Lionel Lazare que vous connaissez comme si n'a pas eu. De vous dire si n'a pas eu, c'est Lionel Lazare. D'ailleurs, c'est monsieur qui intervient dans toute émission, etc., etc. Ok? Ça dit c'est monsieur. Brusquement, pendant Ramon Ormil retourné là comme directeur général police là, Ramon Ormil, qui quand même apparemment pas ingrat, lui songe qui qualité pression Lionel Lazare te prend pour lui, eh bien finalement, lui semblait te vle récompenser monsieur. Et moi estimé justement, ça qui passe à archi grave. Et si Ramon Ormil vient là dans l'idée pour le mener police là comme ça police là craser net, Jean qui commence craser. Nous clair sur ça. Et c'est ça qui fait parfois on est gain droit fin d'accord avec parce que moi m'a dou ça ou pas ta remettre ya. Mais m'a dou ça qui vrai. M'bra l'expliquer pour qui ça. Lionel Lazare monsieur gagne information que le pral nouveau porte-parole police là. 15 juillet passé, jeudi à nos 19, qui donc, ça fait déjà 4 jours. Qui donc, environ 4 jours. Monsieur écrit une lettre, lui adresse lettre ça, avec secrétaire général syndicat, qui c'est Mathieu Nissidel, monsieur remet démission comme coordonnateur général, eh ben, syndicat national police. Policier haïtien yo sinaboa je écris une lettre le 15 li écrit lettre là li remettre démission on t'ai annoncé ça sous page moi que monsieur pas coordonnateur général sinaboa encore parce que yo informé Ramon Ormil informé monsieur li chita avec li dit mon cher m'a metto là comme porte-parole adjoint police là et de fait sans aucune lettre, son pays difficile, sans pas qu'on ait une lettre qui sortit, Ramon Ormil choisit monsieur comme nouveau porte-parole adjoint. Et puis, il prend disposition ailleurs pour l'installer monsieur comme nouveau porte-parole en après police là. Tendez au pays là. Est-ce que nous comprenons ça avec Smigen là? Ça dit, non bouche. Parce que l'être pour qu'on sorti. Et ça te fait ou même captain de m'la, faut attendre bien pour comprendre. Vol civil ma. Faut pas attendre à qu'on seules oreilles. Tendez bien, faut avoir une capacité pour comprendre tout. Si là mon homme il continue comme ça, la craser police là plate. Que Jean te commence à écraser. On va l'expliquer pour qui ça. Parce que je ne peux pas dire pour qui ça me dit ça. Kounye là, yo fin dit monsieur que c'est lui-même qui se nouveau votre parole. Eh bien, ok. Dans bouche, yo dit ça. Dans bouche tout, yo dit mon cher, oui, il faut installer. Hier après-midi, yo installé mon cher. Comme nouveau porte-parole adjoint police là. Moins de 30 minutes. Monsieur Robert fin souk école pour le connaître ses porte-parole. Moins de 30 minutes après,
gon marché pressé côté au dit monsieur mon cher ou pas capote parole encore non parce que son pays difficile. Selon ça, Lionel Lazare lui-même lui expliqué parce que là m'a cherché contre me dit mais ça passait parce que pour moi-même son humiliation, son déception, son fréquentité. Moi-même Gazette Haïti font publication pour le dire que rapidement installé puis révoqué et yo t'a accusé Lionel Lazare comme nèg qui nan corruption, comme nèg qui se marchand passeport. Ça de bien pays a pour nous comprendre. Yo accusé monsieur comme nèg qui t'a vendre passeport et Pierre Espérance en particulier dénoncé ça et monsieur Relan moi il dit à mon ami il pas qu'à mettre monsieur comme porte-parole en après qui donc n'a dit de mon plaisir monsieur entré flap il sorti floup et puis me dit oh kounya me dit mais ça qui passé il me prend un petit temps pour m'expliquer nous pour qui ça me dossier à mon ami il praler comme ça l'a craser police là pire raide que j'ai été commencé craser ya parler surtout avec Ramon Omil et ses partisans ses supporters y aurait les Thierryel Telus et me fier parce que c'est la gande yo me fier parce que c'est nèg qui habitué manger ouais et dernier là manger c'est yo m'habitué manger m pas nèg Port-au-Prince m pas con hamburger m pas mes bagages ça yo. Écoutez, yo fait nommer monsieur et yo révoqué dans l'immédiat même lettre là le pas gain temps recevoir. Mais j'en te dit y a capable son application ça qu'a toujours rivé yo réinstaller monsieur. Parce que yo installé pendant m'a parlé là monsieur désinstallé ça qu'a rivé yo réinstallé. Connaît son pays difficile d'a vivre. Monsieur confirmé que c'est Pierre Espérance qui portait plainte contre lui qui fait nèg yo ta vinn mal garder humilier dans état ça. On dit mais comment Pierre Espérance? Oui, parce que yo accusé monsieur comme nèg qui t'a vendre passeport dans Delma 33. Plusieurs policiers confirmés, oui, monsieur, de vendre un passeport. Et puis, qui ça me fait moi-même? Comme ces journalistes, mal cherché comprendre, est-ce que effectivement, monsieur, t'es dans vendre un passeport? Parce que y'a pas ça, nèg dim. D'ailleurs, m'dou, nèg yo t'es dans compétition entre Sinapoa et SPNH 17. C'est pas parce qu'on est dans la même promotion avec lui obligé ba toute vérité sous lui. Il doit ba vérité, il doit ba mentir. Mais son père moi-même ndou et pas tout policier de ban information on prend pour l'évangile parce que on connaît en pile ces bluffeurs ouais. Et yo tout a défendre ti clan pa yo. Premier ça mal fait. Me dit Ramon Omil font faute grave. Et son gros faux pas mi je vais. Pour qui ça? Comment pour ce directeur général police? Et ça te fait qu'on y a quelques nominations à mon fait, m'a bien doute sur lui. Comment ou ce directeur général police? Attendez. Ou accepter Bayon Neg qui pral représenter image institution? Hein? Son pas mené enquête sous lit pour connaître qui est lié.
Koun ya se lot moun kap dou, non, nèg sa pa ka nomèl. Ki sa vle di la? Ou pa di non la pou rete kom chef polis la met la? Pas ou pa m kon sa wap fè? Ou ta kon ti jouet yo-yo, se moun kap menon kap gido ou? Ça prouve qu'on pas gain capacité pour diriger comme chef police. Non clair sur ça. Qui s'est passé? Premier faux pas que Ramon Omil fait. Est-ce que il y a évidence à toute Pierre Espérance? Est-ce que y a évidence à toute policier qui a parlé? Est-ce que on a prouvé par une image que c'est Lionel Lazare vraiment t'es dans 20 passeport dans Delma 33. Pour qui ça me dit ça? Effectivement, gagnon Lazare qui t'es dans corruption. Lazare ça t'es tellement fond dans corruption. ULC c'était fourre bouche dans causé hein. Yo t'ai arrêté monsieur. Tendez, oui pays. Mal mené enquête et mal cherché moi effectivement. Le 16 mai 2023. Gen en question de 225 000 goud pour 5 passeports qui t'a parlé et gon citoyen qui relait Jean Willy Lazare qui était superviseur dans centre Delma 33. Côté où t'es cité non monsieur dans corruption. Est-ce que c'est pas une coïncidence? Est-ce que Ramon Omil gen évidence? C'est Lionel Lazare effectivement t'es dans corruption ou bien c'était Jean-Willy Lazare? Parce que ce Jean-Willy Lazare t'a fait tête lui passer comme un inspecteur qui travaille pour immigration. Alors est-ce que c'était archi faux? Est-ce que Pierre Espérance gagne évidence? C'est Lionel Lazare effectivement qui était dans vente passeport. Parce que les logiques. On dit que gon policier qui n'ont espace. Ngé doit besoin bagaille par exemple, on dit bail passeport, tu gagne pile marché pressé. Si je connais un policier qui est dans l'espace là et puis il a la travail, je vais toujours demander mon cher, je vais faire des trois passeports là, oui, est-ce qu'on a fait un genre? C'est vrai. Tout ça, toujours, c'est tentative corruption. Mais kounia, est-ce que s'il faut rentrer le mandat l'argent, ça c'est corruption, mais s'il n'y a pas mandat, il est juste facilite au rentrer, est-ce qu'on relève ça corruption dans le sens que il est mandat l'argent? Parce que vous réfléchir, bah yo. Ça qui arrive que monsieur, pendant qu'il est en dedans, il fait deux trois mounes à faire passeport, mais est-ce qu'on a fait l'argent pour ça? Sous par évidence, fais un bouchou. Parce que, et pas tout sa policier bon pour prendre comme l'évangile pour vérité. En matière de dénonciation, en matière de corruption surtout, faut gagner évidence pour dénoncer. Effectivement, justement, Jean-Willy Lazare, qui était superviseur dans Delma 33, monsieur était épinglé pour corruption. Et non seulement était épinglé monsieur était arrêté. Et si monsieur dans la rue, c'est peut-être qu'on y a. Plusieurs médias ont écrit sur lui. Le Nouvelliste écrit sur lui. Haïti 24 écrit sur lui. Juno 7 écrit sur lui. Ou ka seulement regarder. Kounya an gade pour est-ce que moun ki te nan corruption ou te arrêté an qui c'est Lazare là? Est-ce que c'est Lionel Lazare ou bien c'est Jean-Willy Lazare? C'est un petit exercice. D'ailleurs, Lazare c'est dernier moun que m'ta défendre. Juste à bon vérité que yo pa dou. Parce que comme dit nous moi-même, m'pa défendre personne. Je défends Haïti. Ou a fait ça bon, m'embrasse. Si m'estime comme si gon baye k'ap fait tout son abus, son méchanceté m'ap dénoncer.
c'est ça lié. Est-ce que là mon homme il est emmené enquête pour le nèg qui était dans brasse passeport? Est-ce que c'est pas une confusion de gagné entre Jean-Willy Lazare et Lionel Lazare, ou bien est-ce que effectivement c'était Lionel Lazare qui était dans brasse passeport? Si oui, qui évidence qu'on gagne sous ça? Bon. Comme c'est Haïti, nous avons toujours fait ça, nous voulons, nous dit ça, nous voulons, etc. Mais moi-même, quand il y a le safin passé, je me dis, bon, pas un problème, parce que ça a toujours arrivé. Lionel Lazare, effectivement, monsieur dans la corruption, ça a arrivé. Mais ou pas qu'à prouver. Et puis, mal gardé, justement, pas mal gardé, plutôt, on article, le nouvel, il s'écrit. Et puis, moi, elle dit que Jean-Willy Lazare, superviseur du centre de réception et de livraison de passeport de Delma 33, épinglé pour corruption. Jean-Willy Lazare, superviseur du centre de réception et de livraison de passeport au commissariat de police de Delma 33, est épinglé pour corruption. Ce dernier a exigé de fortes sommes d'argent pour la livraison de 5 passeports. L'unité de lutte contre la corruption ULCC recommande la mise en disponibilité de Jean-Willy Lazare ainsi que la mise en mouvement de l'action publique contre lui. Les époux Emmanuel Dorma, Louis, la femme née Florentine Agent, qui ont versé le pot de vin, sont sanctionnés eux aussi. Écoutez, l'ULCC a publié le résumé exécutif du rapport d'enquête mené sur des soupçons de corruption à l'encontre de monsieur Jean-Willy Lazare, superviseur du centre de réception de livraison de documents d'identité logé au commissariat de police de Delma 33. Selon le rapport, le superviseur a extorqué aux demandeurs de passeport des montants variant entre 45 000 et 50 000 goudes. Et effectivement, ce montant, ça a dit pour Lionel Lazare. Est-ce que c'est pas coïncidence? Est-ce que c'est pas comme si confusion? C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas défendre Lionel Lazare. Mais je ne peux pas avoir tout. Nous, juste à bailler mentor pour nous blaser les gars sans que nous pas même gain vraie information. Parce que c'est même somme ça, il dit, oui, Lionel Lazare. Alors que c'est pas Lionel Lazare, ULCC, c'était mis en Baidel. C'était plutôt Jean-Willy Lazare. Effectivement, qui côté? Dans le commissariat Delma 33. Est-ce que son coïncidence? M'baronne. Bon, on quitte ça parce que nous son pays difficile. Haïti, mon fait ça, ou le Haïti? Son pays qui charge mon tête qui pas fin bien là-dedans. Et c'est qui t'a quitté ça? Ou gen ba alors pas comprendre ni et vagou bay. Ou comprendre ça m'dou? Nèg gen doit tout dire, oh tete, soit ap défendre là, m'pap défendre hein. M'juste abdou, ça kap fait là, li pas normal. Et en toute réalité, n'pas ka fonctionner comme ça. Et m'estimer que Jean yo humilié monsieur comme jeune garçon, hein? En toute logique, yo pas ta doué humilié monsieur nan niveau ça. C'est pas logique. Est-ce que y a une plainte qui dépose contre monsieur déjà dans l'inspection générale? Je ne connais pas mon nom, il y a une plainte ça. Est-ce que y a une plainte qui est déposée contre la direction générale police? Je ne connais pas mon nom, il y a une plainte ça. S'il pas gagné, ou pas qu'à qui ton nègre on radote seulement le pour le doué, monsieur est dans volant, il est en corruption, il n'y a pas de parole. Est-ce que le bon évidence? Est-ce qu'on met une enquête déjà comme nègre qui est dans le DCPJ? Sinon, son bêtise ou pas sérieux, mon cher. Je me clair sur ça. Richesse pays pas séparé pour masse là c'est l'enfer. République si m'en fait c'est une famille qui ca importé. Franchise contre la vampire richesse pour yo peuple ca récolté. 10 débattements sans grande 6 communes misère avec des espoirs. Nous voter chaque élection, mais jamais un bon choix. Cloche vérité et juste. Et si c'est comme ça, n'a pas fait carré ou le mavem. Jean-Willy Lazare, pas Lionel Lazare.
que tout ça m'a pris dans le texte, le Nouvel Islam, c'est exactement ça nous dit de Lionel Lazare là, qui donc nous confond moun yo. Sou gen évidence, juste prouver. De, ma vin la lundi, me dit ok, mais gen tel nèg la gen évidence, c'est Lionel Lazare effectivement te nan voloa. Mais sou pa gen évidence sa nan mon, ferme bouchou. Parce que pa ka di sorvle sou moun nan pays. Pierre Espérance. M'songe Pierre. Tout ça que t'es qu'on dit. M'songe déclaration. Je dis qu'on fait compte. Même Ramono Milza, lorsque le chef police là, qui t'a dit que je suis pas un leadership, tu t'es dit que son tête police au commandement est pas fin correct, des mélange. Et puis moi je dis à ces mêmes monsieur qui paraît là comme grand conseiller Ramono Mil. Vin un peu nèg ici en bas comme pas connait aucun nèg ici un qui nèg abrelé o tété bagay bay c'est non nèg moi même m'pas fait youn nèg ça au confiance parce que yo prouvé ou pas gain capacité comme policier pour fonctionner pas un problème non son nèg gain évidence on nèg dans volo prouvé mais pas seulement écrit mon petit texte oui vrai tété contre ça gain dans mon alors que plusieurs articles écrits sous yon nom qui dans même commissariat qui sont Lazare qui relè Jean Willy Lazare qui parle Lionel Lazare. A pas besoin d'un mime. Même estimer son méchanceté, je dénonce et c'est ça qui fait force moi qui fait émission pas gagne tout succès que le gagne. Et me pas dans passe pour qui parti pris pour personne. D'ailleurs pas gagne qui ca utile moi rien, on dit ça déjà. Je défends Haïti, je défends ma patrie, je défends le pays. Gon seul bagay m bezwen an Haiti pour l'instant, m ka descend mal fon vie rêve mwen nan pays a ça seulement. M pa gen ken espoir, ken chef, ken ambassade, ken ministre, ken DG, m pa gen espoir moun sa ou sou rien. Vous comprenez ça m di nou? Son vie rêve m'en va le faire nan pays m bol an mer a ça seulement m bezwen. Mais ça crivé a c'est une leçon parce que Lionel Lazare t'a fait tout petit sous lui pour te défendre Ramon Omil pour te camper en face SPNH 17 et c'est comme ça on récompensé le jodi a yo humilié le ban jeune garçon apprendre kembe escamp figino pas me quitter ça la société écoutez. M'estime que pays d'Haïti gen pile bagay k'ap passé qui pas supposé. M'ap enchaîné là pour m'arriver côté m'braler a. M'songe un reportage gen un journaliste radio yon correspondant yon reporter radio Mega te réalisé. Les noms monsieur mais n'a attendu et puis monsieur t'a parlé à on sait monsieur t'a décrit en réalité dans la phyto et puis m'a attendu décrit timon la phyto qu'a plein m'pral montrer nous dans quel niveau nèg yo méchant dans pays et c'est ça te fait pas comprendre jodi à dans niveau ni là. Pour que gen nèg k'ap pale, k'ap tante tourner lang yo, virer lang yo. Oh, faut gen dialogue avec bandi yo, avec criminel yo, etc. Pendant yop mande dialogue, jodi a la, nèg yo vide bal sous plusieurs camions gaz k'ap traverser Air Champ de Mars pour venir à aéroport.
jodi a la. Ça veut dire, imaginez que cartouche yo se dans tant que la ou te prend, te ka gon véritable catastrophe au niveau champ de masse jodi a. Alors que, même vagabond sa yo, yo continue à mande dialogue. Tande la société. Me songe reportage ça et chaque m'a tande il fait me triste en pile. Tande ça. La fin quatrième année fondamentale, la pestique qui sale vive dans la fito. Yo, bon, dis mettez nous dehors, de comprendre dans les chansons, il va jamais la faire, mon égo n'est pas utile. De fond, mes chansons, ma crie, du ma crie, ma passe, puis mal que lui, yo boule devant nous. Avec ça, yo prend mon nez, yo veut pour la toute sécurité tende de lui tirer. Yo, et bon, dis, on va prendre la basse sécurité au puits pour la main aller, et puis yo veut pour côté sécurité qu'on est et là au poste les t-shirts venir sept t-shirts qu'on vient en dans une gomane yo j'aime ça lui même qui seulement 16 l'année la fin 9e année fondamentale dit que qu'on fait élevage dans zone là ben dit tout est bête yo pour manger cadavre même c'est pas parler c'est tout est moun et puis mettre difé c'est cabout moi ça m'a négligé moi mes bête en pile moi mes gars bête en pile c'est cabout si mon tombe derrière ça les yo manger cabout moi même yo fait nous sortir dans zone là mon vin là voyer le cadon bail pour nous jusqu'on y a beaucoup de noirs. Bandit tiré, fait tout mon évacuer zone là pour te cacher les zones. Oui, un peu le monde mourir en bas. Il y a un petit monde même enterré, va enterrer sur le fat là au bout de. Parce que l'autre bois là, depuis le monde mourir, on n'est pas crié pour moi. Parce que les gens qui chantent enterrement, ils passent et ils payent, ils chantent enterrement au bout de. Depuis environ 22 jours, chrétiens vivants saillent quitter la caillou pour venir vivre dans le Kafou Misso. C'est un véritable calvaire pour eux chaque fois que la pluie finit tomber. Il n'y a pas de la pluie tomber, c'est la pluie finit tomber. Pour nous finir balle et aller finir pour nous chercher, pour nous manger cabane, pour nous coucher. Nous vraiment nous misé qui traduit. Toute la vie est passée là, c'est sur nous passer à terre là. Jusqu'à présent là, sur ta ouais, tout côté abdomen, la plique mouille tout ça au la terre là. La plique mouille, les matins nous lever, nous passer au soleil, pour nous cajouner, pour nous cajouer à terre, pour nous la gueule. Pour nous manger, mettez la dessus, c'est une autre casquette chinoise. C'est quelques citoyens dans la zone là qui comptent soutenir. Et puis, ils partagent chaque ça rejoint pour pas mourir dans la fin. C'est monde qui fait nos cadeaux pour nous mettre sur nous parce que les sortis, nous sortis des menus des pieds. Nous pas de sortir rien du tout. Nous pas bien vivre, nous mal vivre. Si les moutons là qui nous ont nous bagaille pour nous passer dans la bouche, nous. L'autre monde qui a passé, vous faites des choix, vous avez machin manger à la connerie de nous, nous manger pour nous passer dans la bouche. Il y a passé péripétie ça en bas bouche primati. Citoyen yo dit, yo t'ai tenté à chercher ce coup dans le bureau ça, mais c'est la vie, messie à terre. Yo ou Léo na farine. Nous là, nous presque gagne n'importe 22 jours là, n'abdomen levé là. Tantôt, on va nous parler, on va nous dialogue sans aide. Jusqu'à présent, on va nous papier. Tout papier a été signé, on mettait sur la dent, on dit que ça nous prend patience. Et en dans primatif, on va nous papier. On va nous papier à tous ceux, on va nous signer, on va nous sauver. Citoyen, ça y est, pas même besoin de tourner la phyto, qui pour qu'on y a tourné, on l'a fait pour eux. Ils ont demandé autorité, ils ont crassé l'argent pour retourner la caillou dans la ville provinciale de Sotia. Si on va nous demander quoi parce que même si l'État doit ça, même pas du fort, peut-être que bon moment est pour nous aller nous. Parce que nous sommes des gens qui nous dans le pays, parce que nous ne pouvons pas tourner la caille, nous la fito encore. Même ta souhaité, si M. TK font des choses pour nous, si on aide TK pour nous vivre dans le pays, pour nous retourner dans le pays. Mais ces dames, ça y est, viennent loger les victimes qui sont obligées de quitter la caille à cause de la bataille gang. Dans Matissan, quoi de bouquet, la plaine et la trier, pendant l'autorité ont toujours été bras croisés. En tout temps, le gouvernement a une mission militaire étrangère pour porter solution. Une mission qui semblait pour qu'on en route. Alex Gauthier. Merci Alex Gauthier. Merci à vous. Monsieur fait reportage ça, c'était en 2022, sur la phyto. Côté général Bougui, côté tout nègre Marquès, c'est tout nègre Canaran qui a frappé Jeff et Chité en bas. Monsieur, qu'on tendait voir Timonio. Ou pour qui ça moi parler sur le dossier Lionel Lazare là. Me songe te gon cas comme ça te produit avec même organisation droit moun yo. En particulier Marie-Hélène Gilles. Le sam t'a tendé sous Caraïbes. Gen un inspecteur police
monsieur relé Ezekiel Alexandre. Montin songe ba isa hein. Montin inspecteur ça toujours là. Monsieur son inspecteur police qui relé Ezekiel Alexandre. Organisation droits humains dit c'est monsieur qui chef gang base Pilate. Alors que qui est monsieur son inspecteur de police et yo dit monsieur c'est policier. Oui, qui c'est inspecteur, mais qui c'est le chef gang base Pilate. Alors que, yo confond inspecteur avec chef gang, qui lui-même relè tout, Ezekiel Alexandre. Il est humain de se tromper, m'ka toujours font erreur. Même pas jamais entrer dans la logique pour m'kraser moun, parce que m'pa remè fòm tête li. Même nèg kap atake m'pa jamais bay menti sou yo. Mais rien doit bailler menti sur moi pour le cas passer belle. Moi-même ça vérité me combat menti que le bail là. Ça arrive. Maintenant, l'on fin temps des reportages ça. Et puis m'a songé quantité monde qui quittait la caillou qui jusqu'à présent dormi dans le gymnasium Vincent. Et puis m'attendais jodiant défenseur plus cap parler cap expliquer bandi rivé sous moun yo qui quitte kayo qui obligé vinn dormi dans un espace parce que nèg ak zab mete ou de yo et gen ti moun qui violé dans espace là de l'eau pompée dans yeux semaine ça moi de l'eau prêt papa moi de l'eau prêt mais bah yo triste côté défenseur plus.